Aujourd'hui, on va dire quelque chose de très important. Et il y a une grande religion satanique qui sera beaucoup frottée et choquée. C'est ça, frère. Alléluia, frère. Vas-y, frère. Comme Dieu sait faire les choses. Le vendredi, j'étais ici, vendredi passé. C'est là qu'on a exposé sur les stratagèmes dans la Soumana Ouattara. On a parlé de ça ici, on a projeté, tout le monde était là. C'est ça. Et tous ceux qui étaient, même les musulmans qui étaient présents, ils sont convaincus que vraiment Allah c'est le diable. C'est ça. Ils ne voulaient pas le dire, mais ils sont obligés de le dire parce que c'est contraire à le dire. C'est ça. Alléluia. Et les musulmans qui sont en France, qu'on appelle le collectif Halalifia. Après, aussi, ils ont confirmé, au lieu d'infirmer, au lieu de contredire ce que j'ai dit, oui. Mais ils n'ont fait qu'appuyer ce que j'ai dit. C'est ça. En disant que vraiment Allah est le meilleur en stratagème. C'est vrai. Et il a mis même en titre de sa vidéo que Allah est le meilleur des rusés. C'est quoi ça? Il n'y a pas un humain qui a toutes ses facultés mentales, morales en place qui va dire que Dieu est meilleur en ruse. C'est quoi ça? Dieu, il est au-delà de tout ça. C'est ça. Dieu va ruser avec un humain pour aller où? Question. C'est que Dieu a un concurrent alors. C'est ça. Comment Dieu va dire que Dieu ruse avec des gens? C'est quoi ça? Celui qui ruse avec Dieu ruse avec lui. Hey. Et il a mis en titre ici. Oh, il ne peut plus gommer. Et jusque-là, il n'a même pas encore penché. Moi, j'aime que les musulmans m'attaquent. Moi, j'aime ça. Parce que vous n'avez pas souffre que moi. C'est ça. Vous êtes 1 milliard. C'est ça, frère. Je suis seul avec mes frères. Mais on va vous faire toujours. C'est ça. Parce que celui qui est en lui, il est plus grand que celui qui est en vous. C'est lui. Alléluia. Ça fait combien d'années que je fouette les musulmans? Ça fait combien d'années? Question. Ça fait combien d'années? Vas-y. Alléluia. Les gens qui vous disent des choses aujourd'hui, puis demain, les gens ils bougent là. Nous, c'est pas nous, hein. Nous ne faisons pas de la compromission sur la parole de Dieu. On ne fait pas d'arrangement. Ou bien de compromis. Nous disons ce que nous disons aujourd'hui là. C'est clair. On va le dire demain. C'est clair. On l'a dit hier. C'est ça. Alléluia. Et tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose où tous les musulmans qui te dit, il va avoir c'est ça. Il va voir que l'islam, c'est la peste mondiale, c'est ça, satanique. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Dites-moi un seul verset dans la Bible. Comme la Bible, votre Coran est venu continuer la Bible. Voilà. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où les fils de Dieu ont fait stratagème. C'est-à-dire qu'ils ont fait complot. Attention. Pour aller faire débat avec quelqu'un. Attention. Alléluia. Moi, j'ai dit toujours ici. Mais vous êtes des présentateurs. C'est clair. Nous sommes dit toujours haut fort. Même si les gens ne peuvent pas nous permettre d'aller à la télévision, la musulmane, je vais vous battre. C'est vrai. Dans le débat, je vais vous vaincre toujours. C'est vrai. Et vous ne connaissez rien. Alléluia. Et je suis content, je suis fier de Dieu. Voilà. Parce que Dieu m'a rendu intelligent que vous. C'est ça. Il m'a rendu instruit que vous. C'est ça. Alléluia. Il m'a rendu lucide que vous. C'est ça. Alléluia. Il m'a rendu même documenté que vous. C'est ça. Je connais votre livre plus que vous. Un musulman qui va débattre à moi là, il va passer où? Sur le plan intellectuel, il est mort. C'est clair. Sur le plan éducatif, il est mort. C'est sur le plan même de la documentation, il est encore mort. Spirituel, il est encore mort. C'est ça. Sur le plan de la Bible, il est mort. C'est ça. Sur le plan même de son propre Coran, il est mort. C'est ça. Même sur la sourate de l'homme prophète Mohammed, il est mort. C'est clair. Sur les tafsir, Ibn Kathir, il est mort. C'est ça. Sur les hadith encore, alléluia, les hadith encore, de Zahir al-Bouhari, il est muslim, il est Abu Daoud, il est Abdelindimé, il est encore mort. C'est ça. Bon, en temps normal, est-ce qu'il y a un musulman normal? Il peut venir s'arrêter devant un débat. Il va se faire. Si il réfléchit, il y a l'homme au monde ici. Jamais. Ils vont prendre le diabillage, la cacophonie, les stratagèmes, les complicités. On appelle ça les catapènes. C'est tout ce que les musulmans peuvent faire contre moi. C'est un débat télévisé, modéré, avec un modérateur neutre. Le Coran, la Sunna, sur la table, il n'y a pas l'homme du casque de bleu. Jamais. Il n'en aura même pas. Jamais. Alléluia. Alléluia. Et votre petit morceau, qu'on appelle Israël, vous allez voir ce qu'il lui a montré dans son propre piège. C'est ça. Ils sont venus me surprendre. Ils ont commencé à faire vidéo depuis avant même de venir à mon niveau. Oui. Les modèles ont commencé à faire vidéo. Vas-y, ils sont passés par une chez Sapel. Oui. Avec les fossiles. Vas-y. Les faux hommes. Avec un soutien-gorge. Et ils sont venus me voir. Oui. Dans le secret. Ils ont fait quoi? En retour, je suis en train d'aider la femme. Dénonce. Je paye son transport. Je lui donne la boire. Oui. Je l'accompagne sur le dos qui est malade. Je l'amène dans le taxi. Oui. Je paye ton transport. Et elle rentre chez elle. Voilà. En retour, elle fait complicité à la musulmane. C'est quoi ça? Pour venir tomber sur moi. Et ça a coûté ça pour aider maintenant quelqu'un. Oui.
En tout cas, Dieu, que, c'est-à-dire que Dieu même sait que je suis honnête. C'est ça. Moi, j'étais un musulman maintenant. Et c'est pas moi. Alléluia. Tous les petits musulmans que j'ai envoyés en Europe, là, je regrette. C'est tout est dans la main de Dieu. C'est ça. Je peux jamais être un musulman. Alléluia. Même si tu es comment, malgré que j'ai la faculté d'aider beaucoup de personnes ici en Côte d'Ivoire, les musulmans ils sont déjà rayés dans ma liste. C'est ça. C'est moi qui le dis. Alléluia. Tous les petits musulmans qui m'ont appelé hier, ils ne m'appelaient plus. Moi, je voulais vous faire voyager pour aller en Russie pour jouer au football. Je ne peux plus jamais vous faire voyager. C'est ça. Alléluia. Moi, je le dis parce que je ne suis pas hypocrite. Si c'est un hypocrite, moi, je vais les aider. Et puis, dans le secret, il va pas les aider. Moi, je ne peux pas dire ça devant Dieu. C'est clair. Que je ne peux jamais être encore un musulman. C'est ça. Alléluia. C'est fini ça. C'est ça. Parce que tu fais du bien à un musulman, en retour, il va te poignarder. Tu fais du bien à un musulman, ou d'un musulman, en retour, il va te poignarder. Est-ce que cela est humain? C'est sûr. La seule même religion à côté. Voilà. Est-ce que c'est humain? Question. Jésus a dit, ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous, ou ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour vous. C'est la loi et les prophètes. C'est ça. C'est-à-dire que si tu ne veux pas qu'on te fasse coup bas, il ne faut pas faire coup bas aux gens. C'est si tu ne veux pas qu'on tape, on te tape au dos, il ne faut pas taper au dos aux gens. Si tu ne veux pas qu'on te poignarde, il ne faut pas aussi poignarder les autres. Mais quand tu poignardes les autres, c'est-à-dire que Dieu va permettre qu'avant que tu ne mettes contre, les gens vont te poignarder. Alléluia. Celui qui va tuer par l'épée, il périra par l'épée. C'est la loi divine de Dieu. Alléluia. Tu as cherché femme des champs, qui cherche ta femme. Alléluia. Tu as tué enfant des champs en secret, personne ne t'a vu. Dieu t'a vu. Les hommes ont aussi tué ta femme, tué tes enfants. Alléluia. Tu as fait coup bas aux gens, on te fera coup bas. C'est ça. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est ça, il y a un proverbe de chez nous qui dit, quand tu t'abaisses en brousse, avec un enfant de quelqu'un, dans son anus, derrière toi, il y a quelqu'un qui l'aide en plus. Alléluia. Alléluia. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Moi, si Dieu est mon témoin, les petits musulmans que j'ai fait voyager l'année passée, ils sont au nombre de 5. Voilà. J'ai envoyé 3 en Russie et 2 en Ukraine. C'est pour jouer au football. Voilà. Leurs parents m'ont rien donné. C'est fait ça. Oh, ils sont musulmans. Mais j'ai fait, là, il me dit qu'il y a affaire de Dieu à part, et puis il y a la vie active à part. Il faut savoir faire la différence des choses. Voilà. Et si on veut regarder seulement la foi, c'est qu'un chrétien va se mettre un musulman. Un musulman ne va pas être un chrétien. Un chrétien ne va pas être un fausse courant. Jamais. On ne va plus jamais s'aider. Mais moi, j'ai mis affaire de Dieu à côté, et j'ai aidé les frères en tant qu'humains, en tant que mes frères africains. Alléluia. Mais en retour, là, ce que je reçois, c'est les flèches. C'est les poignards que je reçois dans mon corps. Alléluia. Et la Bible me dit, ne sois pas plus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être gentil à excès. Il ne faut pas être trop gentil. Voilà. Pour ne pas que les gens te détruisent. C'est ce que je vais appliquer maintenant. C'est clair. Je ne tiendrai plus jamais un musulman dans ma vie. Donc tous les musulmans, je vais leur dossier à l'ambassade. Moi-même, je vais les éliminer. Alléluia. Alléluia. Même s'il y a en train de pousser, que ce soit étudiant ou même pour le ballon, même les étudiants, je vais les éliminer. Moi, je suis devant Dieu. C'est ça. Tout, si je ne suis pas au courant, c'est un autre cas. Mais si je suis au courant de leur dossier, moi-même, j'enlève leur dossier de bête et mets en poubelle. Je dis non, attendez, votre rosaire m'a sorti. Alléluia. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Un maudit est un maudit. Alléluia. Appelle les choses par leur nom. Un maudit est un maudit. Une maudite est une maudite. Alléluia. Mais ce coup, pas que ça. Cette dame m'a fait. Ce coup qu'elle m'a fait là. Il y a une seule femme qui a fait ça dans la Bible. C'était Jézabel. C'est elle qui partait tenter les enfants de Dieu, les secrets de Dieu. Et la Bible dit, elle a mis fin à ses yeux. Selon le livre de deux rois. Elle a mis fin à ses yeux. C'est-à-dire qu'elle a mis les rouges à lèvres, les crânes en cheveux. Et puis elle allait faire tomber les serviteurs de Dieu. C'est ce que cette femme-là est venue faire. Alléluia. Mais moi, comme cela, ce n'est pas dans ma tête. Il me dit que c'est une femme. D'abord, elle m'a dit quoi? Frère, préparez quelque chose un peu. Parce qu'ils ont menti que moi, je me suis fait passer. Je me suis fait passer. Pour l'imam Mortar. Écoutez bien, vous les suivez, c'est moutonniers. Ils ne vous vont jamais vous donner l'origine des faits. C'est ça. C'est Lucifer seul en Côte d'Ivoire qui va vous informer comme c'est toi. Merci. Vos gars, vous qui vous comptez là, ils ne peuvent jamais vous dire la vérité, la racine des choses. Alléluia. C'est par moi que vous allez avoir les informations. C'est ça. Alléluia. Je dis pour moi en public. Voilà. Aucun humain ne peut me contredire. Parce que je dis est confirmé et est public. C'est ça. Alléluia. Si tu as le Dieu là, où le présentant m'a appelé là, il m'a appelé, il m'a parlé, il m'a monté là, il peut préparer ça. Vous allez entendre. Ça, les musulmans, je ne sais pas, vous m'excusez beaucoup.
y a des gens qui sont intelligents là-bas. Mm-hmm. Mais 95% des musulmans sont des abrutis. C'est ça. Ça, moi, je le dis haut et fort. C'est ça. Et j'ai des preuves même. Vous allez voir tout à l'heure. Même si les réseaux sociaux, c'est coucou à mon encontre. Ils prennent mon image, ma photo, ils sont en train de me venir pander. Je m'en fous de ça. C'est ça. Tu vas faire photo, mais devant moi, là, vous allez manger votre langue. C'est et votre cas de Akaïsma, ceux qui vous comptez. Akaïsma, bien d'être ceux qui vous comptez là. Vous allez voir comment j'ai été massacré dans leur propre catapulte. C'est clair. Je vous l'ai dit toujours ici, même si je suis en train de dormir, que la musulman vient sur moi, je me réveille dans le coma, je le mate. C'est ça. Avant d'amener le débat, quand ils sont venus avant-hier samedi là, je lui ai dit, voilà. Si ce débat, je ne t'ai pas maté, c'est que moi je suis un maudit. C'est ça. Avant même la table du débat. C'est ça. Et cela a été prouvé. Vous allez voir ce qu'il a dit, je l'ai poussé à blasphémer. Et il a dit que Jésus est un menteur. Or, c'est le même qui dit que celui qui est un musulman qui ne croit pas en Jésus, il va en enfer. Est-ce que quand tu crois en Jésus, tu peux dire que Jésus est menteur? Quand ton courant dit qu'il est pur, il est pas de vérité. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Même Satan ne peut jamais dire que Jésus ment. Mais lui, il a dit, votre accueil sera de la guerre. Ça veut dire que tu n'as même pas doctrine du diable dans la rue. C'est ça. Il dit que Jésus est un menteur. Oh. Qui peut croire en ça ici? C'est quoi ça? Si je n'ai pas projeté cette vidéo-là. Vous l'avez dit que je pense sur lui. Voilà. Si je n'ai pas monté tout à l'heure la vidéo, il a dit que Jésus ment. Voilà. Est-ce que vous allez croire? Pourtant il a dit. C'est ça. Il a dit Jésus est un menteur. C'est ça. Vous allez voir ça tout à l'heure. Merci. Jésus, tout le monde le sait. Il y avait deux brigands à la croix avec Jésus, non? Il y a deux brigands à la croix là. Oui. Sans même que je vous dise la réponse là. Mais est-ce que les deux sont allés à l'enfer? Bien sûr. Même les parents qui sont là. Deux brigands à la croix, il y a un qui est sauvé. C'est clair. Jésus a dit, oh, aujourd'hui, c'est seulement dans le paradis. Voilà. Il se fait la garde, c'est faux, les deux sont allés à l'enfer. Est-ce que vous pouvez croire si je n'ai pas projeté ça? Attention. C'est au cours du débat que je l'ai compté à blasphémer. C'est lui son sort, lui c'est fini pour lui. C'est clair. Il est maudit à vie. C'est fini. Voilà. Alléluia. C'est comme ça que je suis. Et moi, ce qui me fait mal, frère, tu as trouvé l'audio là. Vous allez. Et puis même l'audio là, pour ceux qui se rappellent là. Il a déjà fait écouter l'audio là ici. Et puis l'audio, attends d'abord. Vous ne pouvez jamais avoir cet audio si moi-même je n'ai pas mis ça sur les réseaux sociaux. Donc ils font comme si c'est quelque chose que je cache. Moi quand ils m'appelaient, j'étais avec mon frère Bombardi, on était deux. On était deux, où ils sont venus tomber sur moi là. C'est là où on était en train de causer après le culte. Vas-y. Et puis il m'a appelé. Moi, je vais vous. Ça veut dire que vos têtes, vos crânes, je vais briser ça toujours. C'est un piège qu'ils ont fait. Et comme je sais que. Sinon, quelqu'un qui est au Cameroun, il peut se tromper de numéro au Cameroun là-bas. Voilà. Se tromper du numéro de Côte d'Ivoire. Et puis il m'a appelé en Côte d'Ivoire, dit, il m'a mort tard. Moi, je sais que c'est un piège qu'ils ont fait. Même quand je l'ai mis dans son propre piège. Voilà. Il dit oui, à ma qualité d'imam mort tard. Que nous, les musulmans, on est dans le faux. C'est ça. Que l'islam est dans le faux. C'est ça. Que c'est les chrétiens qui sont dans la vérité. C'est que dans le Coran, c'est écrit que Jésus est Dieu. C'est ça. Est-ce qu'un imam peut parler comme ça? C'est ça. Je suis en train de me moquer d'eux. Alors, ils ironisaient, puis ils me moquaient d'eux. Ils n'ont même pas compris ça. C'est ça. Ils ne sont pas intelligents. C'est ça. Moi, je ne sais pas. Est-ce que Jésus est dans le faux, Jésus n'est pas Dieu. Les chrétiens sont dans le faux. Jamais. C'est les musulmans qui sont dans la vérité. Hey. Est-ce qu'un chrétien peut parler comme ça? Jamais. Est-ce qu'un imam, dites-moi le nom d'un seul imam qui a dit que Jésus est Dieu? Qui croit que Jésus, qui confesse que Jésus est Dieu. Il y en a pas. Et qui confesse que les musulmans sont dans le feu, ils vont en enfer. Il y en a pas. Et qui dit que c'est les chrétiens qui vont au ciel. Il y en a pas. Quel imam qui peut dire ça? Il y en a pas, frère. C'est... Quelqu'un m'appelle, il dit imam Mokta, il dit c'est toi, il dit oui, c'est moi, mais à ma qualité d'imam Mokta, je te dis que nous les musulmans, on est dans le faux. C'est ça. Que Jésus est Dieu selon le Coran. C'est ça. Que les musulmans sont dans le faux, les chrétiens sont dans la vérité. Et il a coupé, puis j'ai commencé à rire. Les gars, tu veux même savoir que je me moque même de l'islam. C'est clair. Et je me moquerai toujours de l'islam. C'est clair. Vous allez voir, on va voir si vraiment je suis au sérieux, que vraiment je suis musulman. Et puis, il y a un qui est venu ici, celui qui est venu se masturber ici là. Sur Maro que tu as pommadé ici. D'abord, il ne peut pas. Je vous appelle qu'il n'est pas juriste. Voilà. Aujourd'hui, c'est juste pour planter le décor. Le mercredi, je suis sur le dossier. On va montrer tout ce qu'ils ont fait, tous les coups bas là. Je vais mettre tout à nu. Vous allez voir ici. Ce président qui est venu faire débat avec mon petit frère, et puis mon petit frère l'a chicoté ici là. Oui. Le menteur, il a menti deux fois dans l'introduction. Et il n'est pas juriste. Mmh. Il a menti aux gens qu'il est juriste. Mmh. On dit, mais pourquoi tu m'as dit non, j'ai fait ça, pourquoi me respecte? Réellement. Donc, ton respect, bon, si le respect, on t'accorde un respect qui est basé sur le faux, tu vois déjà que tu es maudit. C'est et lui, c'est lui, il se dit qu'il connaît la loi. Mmh. Et il me fait des vidéos bêtes sur internet. Et il me dit non, qu'est-ce que tu as fait là? On appelle ça usurpation de titre. Ou bien ils ont une usurpation d'identité. Je t'ai dit que tu fais rien. Si tu es garçon, va poser plainte, mais je vais venir, tu vas aller rester là-bas.
tu ne sais pas combien que c'est la loi, vous allez rester là-bas. C'est clair. On appelle usurpation de titre ou bien de nom, dans la mesure où toi-même, tu prends le nom de la personne. Et sous le nom de la personne, tu appelles pour faire d'autres choses. C'est ce qu'on appelle usurpation de nom. Quelqu'un m'appelle. Vas-y. Quelqu'un m'appelle. Non, je me suis trompé. Bon, il m'appelle. C'est toi, Imam Mouata. Il dit, oui, c'est pas Imam Mouata. Puis après, je réunis et je me moque de Dieu, puis je ris. Donc, c'est-à-dire, votre tête. Oh, le droit ne peut pas agir sans l'intention manifeste. Vous n'êtes même pas intelligent. Et Dieu m'a rendu intelligent sur vous. C'est clair. Il m'a donné la sagesse sur vous. C'est clair. Et il m'a donné la connaissance sur vous. C'est ça. La documentation sur vous. C'est ça. Tout ce que vous pouvez faire, votre seul héritage, c'est de faire qu'on peut contre moi. C'est ça. Venez à dire de couvert, vous allez tomber. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous trouvez qu'il est en bas, écoutez le Dieu là. Vous allez voir, c'est qu'ils sont en train de brandir. Non, il ment. Hey, c'est vrai, c'est l'espoir. Puisqu'il parlait que David allait me. Il parlait qu'Aka Ismaël allait me mater dans le débat. Et il m'a surpris. Mais ce qui s'est passé là, au lieu de parler de ça, non. Il m'a mordu, il prend ma photo et il met. On va écouter, vous allez voir, c'était une moquerie qu'il faisait, tu lis ça. C'est ça. Tu aimes le Dieu, on va voir. Mets bien le volume. Ils sont même intelligents. Quand tu es musulman, même s'il était un peu, il a au moins 10% d'intelligence, dès qu'il devient musulman, il a au moins 1% d'intelligence. Toi, abruti. Allô? Salam alaikum, Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir. Bonsoir. C'est Imam Mokhtar? Oui. Bon, c'est tout pour vous saluer. Oui. Je vous suis toujours en direct là. Ah bon? Vraiment. Avec Tumba, là, Tumba, vraiment. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Hein. Ouais. Que Dieu vous bénisse, voilà. Vraiment, vous fournissez beaucoup d'efforts, là. Vraiment. Ouais. On ne peut rien dire, mais tout simplement, vraiment, vous faites beaucoup d'efforts sur les chantiers d'Allah, là. Ouais. Voilà. Et qu'Allah ramène nos frères chrétiens dans la vraie religion. Vraiment, qu'ils puissent comprendre. Oui, en tout cas, moi, en ma qualité d'imam Mokhtar. Eh ben. Il dit en ma qualité d'imam là. Tu m'entends? Je vous entends. Il dit en ma qualité d'imam, je comprends que vraiment. Nous, les musulmans, on est dans le faux, hein. On n'est pas dans la vérité. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Jésus est vraiment Dieu. J'ai vu ça dans le Coran, là. Jésus est découragé, hein. Jésus est Dieu. Ils sont pas intelligents, il faut les appuyer. C'est ça que c'est. Vous prenez cet audio là, envoyez ça au tribunal de procès et restez en judicie contre moi, appelez-moi. Je comparerai et je vais avoir raison devant vous. C'est clair. Est-ce que ça là? Parce que le droit d'abord étudie d'abord l'intention. Il y a d'abord l'intention manifeste qui est un délit. Si l'intention, il n'y a pas l'intention de là que le gars est en train de vous se moquer de vous. C'est ça, on appelle ça une ironie en bon français. C'est ça. Est-ce que vous avez vu la fin? Mets la fin. Hein, les gars étaient en train de la fin, ils n'ont pas bien entendu la fin là. Mais juste la fin seulement rapidement. Après, j'ai commencé à rire. Mais si vous écoutez bien, pendant qu'il était en train de parler, j'étais en train de parler à le bombardier à côté. Il était en train de parler à un bombardier à côté. Il dit, ouais, quelqu'un qui s'est trompé là, il m'appelle. Il a dit, mais tu vas voir tout à l'heure, je vais me moquer de lui. Écoutez bien, on va mettre. Écoutez bien les voix qui sont en bas. C'est le bombardier, moi, après, puis il a mis sur le parler. Il a mis le téléphone comme ça, puis ils sont en train de parler à bombardier. C'est ça, on a dit non, il a usurpation d'identité, c'est ça qu'il a là. Je vais faire quoi, Imam Mokhtar? Moi, je vous ai dit que mon caca ne peut pas devenir musulman. Il y a longtemps, il a dit ça. Et ce que je fais là, quand on va mettre l'audio, à la fin de l'audio, je vous lis deux versets de la Bible qui disent que ce que j'ai fait là est biblique. Je vais vous lire ça, noir sur blanc, vous allez voir. C'est bande de maudits. Vous pensez que Imam Mokhtar est quoi? Bon, d'abord, il a quoi? Et puis, il a quoi? Voilà. Quelqu'un qui n'a pas sauvé, je vais te dire que c'est moi. Comment? C'est quoi ça? Au moins, il a dit c'est Imam Mokhtar que j'aurais dans cette position. Hein? Et puis, le gars raccroche. Là, on peut comprendre. Voilà. Mais avant qu'il ne dépose le téléphone, je lui ai dit que je suis pas Imam Mokhtar. C'est clair? Autrement. Parce que lui-même, il a compris. Est-ce qu'il peut raccrocher comme ça son Imam au téléphone? Mais il a
vu que vraiment il s'est trompé vraiment. Mm-hmm. Ou bien il a vu que son piège, son tête après n'a pas marché. C'est ça. Il dit, à ma carte d'imam, les musulmans sont dans le faux. C'est ça. Les chrétiens sont dans la vérité. Jésus est Dieu dans le Coran. C'est clair. Voilà, il a rapproché. Il a vu que l'imam ne peut pas parler comme ça. C'est quel genre d'imam qui parle comme ça? Et puis, au lieu de la musulmane, les musulmans intelligents, ils devaient comprendre que vraiment, ils s'est moqué de nous. Hein. Mais ils n'ont pas compris ça comme ça. Ils disent non, il a usurpé des titres. Il a dit que l'imam Ouattara, dans votre tête, là, il y a quoi dedans? Frère, vas-y. C'est quoi pour parler dans votre tête? Mais frère, la frère, bon, remets à zéro, on va voir ça. Comment c'est pas long? Allô? Écoutez bien les voix qui sont en bas, vous allez voir que moi, Russophone, me fait passer. Je préfère me faire passer de quelqu'un qui est sauvé. Moi, je vais me faire passer de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Quelqu'un qui va en enfer, moi, je vais dire que c'est moi. C'est même qu'il me fasse passer même pour Papri tout même. Papri tout le mieux, mais Jirim, d'ailleurs, mais de faire. Tous ces sont mieux. Que moi, je vais me faire passer d'un imam. Les gens que je combats qui sont dans les faux. Écoutez jusqu'à la fin. Frère, vas-y. Allô? Salam alaikum, Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir. C'est Imam. Attends d'abord, pause. Oui. Pause. Pause. Demandez à n'importe quel imam, pas imam, mais n'importe quel musulman, quand on le salue là, à Salam alaikum, il répond comme ça aussi. Mais quelqu'un même me salue d'abord, je réponds même pas, ça ne m'intéresse pas. Il y a vu que c'est Satan qui parle. Moi, c'est que je dis tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit que tout ce concours vient de ceux qui aiment Dieu. Sur le cas, il y a au Cameroun qui s'est trompé. Si vraiment il s'est trompé, hein, pour m'appeler, c'est un plan de Dieu pour que je lui dise ce qui est la vérité. Pour qu'il lui dise que s'il n'a pas cru dans Jésus-Christ, mais il va en enfer. Il a déjà entendu. S'il n'a pas cru demain, lui, c'est l'enfer garanti. C'est fini. Il va pas jamais dire que je n'ai jamais entendu. Dieu va dire. Tu t'es trompé, je t'ai poussé à appeler mon prédicateur là. Il t'a dit que tu es dans le feu là. Est-ce que tu as quitté l'islam là? C'est fini. C'est-à-dire que même demain encore, si quelqu'un se trompe, il m'appelle, je vais dire que je suis le prophète Mohamed, allez, salat tout salam. Salat tout salam. Et après, demain, tu te trompes, dis-moi, c'est moi là, ça va dire. Et puis je vais vous dire, ce gars-là n'aime pas. Voilà. C'est comme ça. C'est même pas intéressant. Moi, si c'était moi-même qui m'a envoyé au Dieu comme ça, je vais cacher. Si je suis musulman, je vais cacher ça. Mais si je mets que les gens écoutent, ils vont se moquer de nous. Il va dire, mais le gars, il vous a eu, hein. Vous avez une fois vu votre membre qui dit que je suis un Dieu. Frère, vas-y. Allô? Salam alaikum. Vous l'avez entendu la voix au début, là. Quand il a prédit, il dit, ah, c'est un musulman. Frère, vous pouvez me voir. Vraiment, écoutez bien, hein. Je parlais à côté, même pendant que j'ai fait le téléphone, et puis je parle à côté à Bombardier. Vas-y. Allô? Salam alaikum. Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir. C'est Imam Mokhtar? Oui. Bon, c'est un truc pour vous saluer. Oui. Je vous suis très en direct là. Ah bon? Vraiment. Avec Tumba, là, Tumba, vraiment. Vous faites beaucoup de forces les chantiers d'Allah. Ouais. Voilà. Et qu'Allah ramène nos frères chrétiens dans la vraie religion. Vraiment, ils puissent comprendre. Oui, en tout cas, moi, en ma qualité d'imam Mokhtar, il dit en ma qualité d'imam là. Tu m'entends? Oui. Je vous entends. Il dit en ma qualité d'imam. Et je comprends que vraiment, nous les musulmans, on est dans le faux, hein? On n'est pas dans la vérité. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Jésus est vraiment Dieu. J'ai vu ça dans le Coran là. Jésus est découragé, hein? Jésus est Dieu. On comprend? Allô? Vous voyez? Comment les musulmans n'ont pas été justes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu cette intelligence, petit degré là, un degré même d'intelligence,
a compris qu'on est en train de se moquer de leur religion. Et on est en train de se moquer de même de l'imam la même en question. Parce que l'imam en question ne croit pas que Jésus est Dieu. Moi, je suis l'imam et il dit Jésus est Dieu. Vous n'avez pas vu l'imam qui confesse comme ça. C'est que si l'imam. C'est clair. Tu vois. Le gars m'a compris que ah, c'est vraiment, oui, il s'est trompé vraiment. C'est clair. Là, il a raccroché. J'ai commencé à me moquer de lui. C'est ça, il prend point sur Internet. C'est pour ça que le menteur, il est tout pressé. Dès qu'on a fait quelque chose le samedi, là, j'ai dit à mes frères, restez sereins, restons dans le silence. Les réseaux sociaux, là, laissez ça. Deux jours, vous allez voir ce qu'ils vont faire sur les réseaux sociaux. Et après, on va venir maintenant les corriger. Ils vont avoir honte. Et même sur la roue, les réseaux sociaux, partout, ma photo à quoi avoir et tout ça. Partout, ma photo. Ma photo où j'étais en Russie, lors de ma soutenance, de soutenir mon mémoire, là, où j'ai fait comme Arc Eli. Comme Arc Eli, puisqu'en Russie, il fait tellement froid que tu ne peux pas faire cocotaille. Donc je tressais pour que ça, mes cheveux poussent là, c'était afro. Donc le fait d'empêcher, comment on appelle, avoir les maux de crâne. C'est ce que je faisais. Mais quand je devais soutenir mon mémoire, je me suis coiffé. Après ça, je suis rentré au pays. C'est ma photo d'avant là, il brandit ça. Oui là, c'est un petit, c'est un bandit, c'est un ancien bandit. Mais Dieu merci que tu ne dis pas qu'il est un présent bandit. Si je suis un ancien bandit, même c'est mieux. C'est clair. Tous les hommes de Dieu dans la Bible étaient anciens bandits. C'est ça. Vous savez qui était Moïse? Question. Un ancien, il a tué quelqu'un en Égypte. C'est ça. C'est un fouillard que Dieu l'a appelé. Vous connaissez la vie de l'apôtre Paul? Ce qu'il faisait à l'église de Dieu. Ils sont même pas intelligents, frère. Hein? Maintenant, présentement, je suis qui et je fais quoi? C'est ça. C'est de ça qu'il faut parler. Si vous êtes intelligent. C'est clair. Donc voici, est-ce que Dieu comme ça, si vous êtes intelligent, est-ce que vous pouvez vous acheter à prendre Dieu comme ça pour aller vous plaindre? Il m'a montré quand il écoutait, mais il a commencé à rire. Ils ont coupé. Où les blancs me moquent là, ils coupent. Mais il faut laisser. Il m'a monté à parler. Il est à la fin. Pourquoi tu coupes sa parole? Parce que ça ne les arrange pas. Vous voyez? Donc voici un peu. À cause du temps qui était vraiment aujourd'hui, la pluie par-ci, par-là. Voilà pourquoi on est en retard. Il est 22h. On ne va pas trop durer. Mais on va vous montrer. On va vous donner un avant-goût de ce qu'on va faire le mercredi. On a au moins 7 vidéos à vous présenter. Et c'est cette vidéo, c'est la vidéo de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 2 minutes, c'est pas long. On va vous présenter ça le mercredi. Mais aujourd'hui, on va vous faire juste un avant-goût. Et je vais vous prendre le décor. Ce que vous voyez là, comment ça s'est passé? Il y a une femme musulmane. Et le mercredi, elle sera exposée. Je ne voulais pas le faire, mais si au regret, je le ferai. Je vais l'exposer parce qu'elle est venue dénigrer l'islam même chez moi. Eux, ils ne sont pas au courant de ça. J'ai les audios. Dieu m'a dit qu'elle est venue. Je ne fais même pas mieux. Il a dit, je fais confiance uniquement à la résurrection d'un musulman. C'est parce qu'il respecte qu'il a encore en vie. En dehors de ça, c'est des menteurs. Donc quand même qu'elle soit venue, comme il a vu qu'elle était elle est musulmane, alors j'ai mis mon téléphone, tu l'as enregistré. Les 2 heures d'entretien avec elle, tout était enregistré. La première seconde à la dernière seconde. Même pour moi, je ne savais pas que j'ai enregistré ça. Tout ce qu'elle m'a dit ce jour, je dois enregistrer. Et je vais vous faire écouter ça le mercredi, vous allez voir ce qu'elle a dit de l'islam. Vous allez voir que cette femme-là, c'est une sorcière. Elle dit donc qu'elle, il y a longtemps, elle est avec Allah. Allah n'a rien fait pour elle. Elle ne fait pas enfant. Depuis, elle n'a pas enfant avec son mari. Et son mari aussi, ils sont quatre garçons, même dans leur famille. Ils sont à l'intérieur du pays. Elle a dit à couper. Ils sont à couper. Et que là-bas, même l'aîné de son mari là, il est marié légalement à sa femme, ça fait 10 ans. Il n'y a pas de petit souris là-bas. Elle dit, mais dans leur famille, c'est comme ça. Il n'y a pas d'enfant, ils ont les moyens, mais ils s'en foutent d'enfants. Or, elle est en train de vieillir. Elle a besoin d'enfants. Elle a fait tout, Allah n'a rien fait. Donc, elle est quittée, elle a laissé son mari là-bas, et puis elle est venue à Abidjan. Toujours, il appelle, elle ne décroche pas. Donc, elle est venue à Abidjan, c'est sa grand-soeur à Cocody. Alors, comme elle m'a vu, elle a vu en train de prêcher là, elle est venue pour me rencontrer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est venue, j'ai dit, bon, et comme moi aussi, Dieu m'a donné aussi une petite sagesse là. J'ai dit, bon, m'a dit, allons. Parce que ça a fait des familles, il faut qu'on aille à deux. Et bon, m'a dit, moi, on est parti. Je suis assis, elle est venue. Avant que bon, m'a dit, ne vienne, elle était d'abord venue avec moi, elle était deux. Mais il faut voir comment elle est venue. C'est parce que ça, je n'ai pas tiré photo, mais j'ai enregistré seulement. Sinon, si vous voyez sa photo même, la frère, ça veut dire que c'est la jumelle directe de Jézabel. Mamie Wata n'a rien fait. Eric, même si fossile qu'elle a mis là, si tu fais comme ça, ça va piquer dans tes yeux. Les sombres, on dirait pour Avatar.
avec beaucoup de couleurs comme ça. Rouge à lèvres, vous connaissez déjà leur maquillage. Rouge à lèvres, bleu, blanc, rouge, vert. Tout est mélangé sur elle. Mais or c'est ça, on dirait tapette. Mais ça, là, ce jour-là, la portée soutien gauche, c'est monté comme ça, monté qu'elle avait vomi. Ça, elle est arrivée ici. Elle dit, mais elle, c'est quel style ça? Donc, quand le frère Bomadier est venu s'asseoir, en réalité, il était venu pour, je ne sais pas, ils avaient préparé un plan pour que là, si on est deux seulement là, ils vont venir tomber sur moi pour dire qu'ils sont chez les femmes des gens. Mais Dieu merci, Bomadier était là, on est deux, ils ne peuvent pas venir tomber sur nous. Donc, cette maison restait dans le secret, ils sont repartis. Quelle a vu Bomadier là? Quelle a vu Bomadier, mon frère là? Elle est fâchée. Elle dit, ce n'était pas dans son plan. Elle avait voulu qu'on se rencontre, nous deux. Là, quand leur plan va marcher, ils vont tomber sur moi, ils essaient de me tabasser pour dire qu'ils entrent chez les femmes mariées. Mais tu mets bien, mais tiens, t'es partout. Parce qu'ils sont en train de faire là, ça les dérange. Donc ils vont passer par le sabotage, salir mon image, éternuer mon image, voilà, pour que je ne prêche plus. Vous voyez dans la Bible, qui faisait ça? C'était les pharisiens, c'était les démons. Quand Jésus les mettait dans la parole, il faisait même la coupe pour venir contre Jésus pour l'humilier. Toujours c'est pour ça qu'ils sont. Les enfants de Satan ne changent pas leur manière de s'asseoir. Les acteurs là, c'est eux qui changent. Mais l'acteur principal, c'est Satan, les démons, sont toujours là. Ils changent d'habit. Et aujourd'hui, ils prennent habit des musulmans. C'est même chose, même groupe, même équipe. C'est seulement basket. Les pharisiens sont morts, mais aujourd'hui, en autre temps, il y a les pharisiens modèles. Vous voyez? Maintenant, comme elle a vu que son plan a échoué, elle était obligée de rester là. Tu es venu voir quelqu'un, tu vois, un tel problème, tu as expliqué. Or, avant que je dise, il faut venir même là. Quand elle m'a appelé, elle a commencé à expliquer ses problèmes au téléphone. Elle dit, ah, ma soeur, moi, mon téléphone là, on m'appelle chaque 5 minutes à travers le monde entier. Donc, je ne peux pas mobiliser mon téléphone pour au moins pour être toi seul. Ce que tu peux faire les notes vocales, ou bien demain viens me voir là face à face, comme c'est un problème de couple. Là, on va bien t'écouter les détails et puis on va te donner les conseils. Même s'il faut prier pour toi, on va prier pour toi. Elle a dit, ah, c'est une bonne idée. Maintenant, le lendemain, tu es venu. Je t'ai reçu avec mon frère. On a parlé, il t'a donné à boire. Il t'a donné l'argent de poche, il t'a donné ton transport. Tout ça, il t'a donné. Cadeau. Parce que pour moi, c'est une fille en fait, pas forcément musulman, mais c'est un être humain comme moi. C'est une soeur, je peux l'aider. Il n'y a pas un verset qui dit qu'il ne faut pas aider un musulman. Je peux l'aider. Pas dire la personne d'aide. Mais je lui ai dit qu'elle est venue devant Dieu. Voici les deux versets principaux que j'ai lu devant mon papier. Je lui ai dit, ma soeur, c'est vrai que attends, ton père est menacé, tu n'as pas enfant. Elle dit même son mari, même là. Malgré qu'il n'a pas enfant, mais ça ne lui dit rien. Et leur famille, il n'y a pas un qui a enfant là-bas. Et tous sont mariés également, mais il n'y a pas enfant. Donc elle m'a dit, elle a vu que c'est un problème qui est spirituel. Elle dit, ok, ma soeur. Et puis elle me dit encore, ah, comme de prier, elle a fait pour Allah, là, là, ça ne marchait pas, il n'y a rien. Donc elle est venue me voir pour qu'elle puisse essayer pour Jésus là. Dieu merci qu'il y a tout enregistré de la première à la dernière seconde. Elle dit, elle est venue pour essayer pour Jésus. Elle lui a dit, ah, c'est vrai, tu vas essayer pour Jésus. Mais en tant qu'homme de Dieu, ce que je peux te dire là, Jésus, enfant là, ça c'est un petit problème. Mais il faut, on peut avoir enfant, voiture, maison, villa, et puis mourir, aller en enfer. Donc il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 32 à 33. Je lui ai fait voir ça. Elle a dit d'accord. Il y a pris encore Matthieu 7, verset 26, où Jésus a dit, et que serait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Devant elle, j'ai lu ça. Encore, elle a dit vraiment, elle a compris. Et donc la solution là, c'est Jésus. Si tu l'as accepté, tant que ton sauveur là, c'est le seul chemin, la vérité et la vie qui est là. Si tu l'as accepté que ton âme est sauvée, le reste là, moi je te garantis, on va prier pour toi, enfin là tu vas en avoir, sans problème. Elle dit, ok, vraiment j'ai compris, que je suis convaincu. Maintenant je vais aller expliquer ça à mon grand frère, là comme ça, je vais venir à lui le lendemain, il faut aussi que tu puisses me convaincre. Il dit, il n'y a pas de souci. Oh, c'est un que tu appelais, elle préparait, elle faisait, elle a tête, pendant qu'elle était à moi, elle était à côté de DDR. C'est le premier même qui m'a dit, il m'a dit, ah la femme là, qu'elle est en train de tirer photo. Hein. Oh, pendant que je cause avec elle, elle a mis son téléphone comme ça. Pendant que je cause avec elle, je suis en face de pour m'a dit ici, elle est en face de moi. Je cause avec elle, fait son téléphone comme ça. Pour m'a dit à l'oreille qu'elle est en train de tirer photo. Qu'elle n'est pas claire. Il dit, pour m'a dit, il faut laisser. Tu vois? Noé, il faut passer dans le direct là, pour prendre le direct, tu vas mettre sa photo, les gens vont la voir. Il faut qu'elle soit star. Une star négative. Frère, vous voyez un peu. Donc c'est comme ça s'est passé. Donc elle me tirait les photos, mais pour moi, comme je n'ai rien à me reprocher, moi je suis un homme de Dieu. Ce que je fais, si tu veux faire coup bas contre moi, ça va tomber sur toi. Au moins, s'il y a une mauvaise pensée, là, c'est pas bon. Mais je vais t'aider à tant que ma soeur. Et puis en plus, moi, tu n'es pas chrétienne.
Mais la Bible a dit on a aidé tout le monde si on peut. C'est ça. Donc moi je vais t'aider et tu es en train de prendre beaucoup de bras sur moi. Mais je vais vous dire à la fin, je vais vous dire, quand Dieu veut tuer quelqu'un, quand Dieu veut maudire quelqu'un, Dieu pousse la personne à venir contre son point. Dans la Bible, les exemples sont versés. Tous ceux qui sont venus comme les hommes de Dieu, c'est la malédiction, ils sont morts, misérables, minables. Donc elle a fait ça. Et puis quand je l'ai vu, c'est pas sa première fois de faire ça. Mais c'est la première fois maintenant, elle est tombé sur un vrai homme de Dieu. C'est clair. C'est là qu'elle va voir la différence entre ceux qu'elle a vu avant et moi. C'est ça. Alors, donc elle est partie. Quand elle est partie, le lendemain elle est revenue. Depuis elle m'appelle seulement. Je suis en route, je suis à nouveau de palais, je suis au nouveau de temps, elle dit viens, viens seulement. Moi-même j'étais malade devant Dieu, mes frères sont là, mais quand je ne suis pas venu évangéliser ici, j'étais malade. Donc, je ne voulais même pas, je voulais qu'on rejette ça à la semaine prochaine. Mais elle m'a dit, elle était déjà au niveau d'Adjamé. Il dit, bon, c'est pas grave, il faut venir. Donc elle est venue à côté, je me suis levé. Depuis le matin, j'étais à la maison, ça, qu'elle est arrivée, elle m'a fait signe. Il dit, tu es là, il dit, oui, elle est là, son frère. Il dit, vous êtes où? Elle dit, au même endroit. Écoutez bien, au même endroit. Il dit, ok. Et je suis arrivé avec mon mari. Elle est là, son grand frère n'est pas là. Or, elle m'a dit, les deux sont là, au même endroit. Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que nous, on dit, il dit, faudrait que je sois en place avec elle pour qu'elle vienne tomber sur moi. C'est ce qu'on lui a dit. Donc, c'est pas bon qu'eux soient là avant moi. Mais ils étaient déjà dans mon quartier. Ils étaient au marché pendant qu'ils étaient en train de faire le billet d'abord. Sans communication. Puis ils sont venus nombreux. Ils sont venus beaucoup. Plein d'êtres en voiture derrière la route là-bas. Donc, ils étaient poussés partout. Vous voyez? Et quand je suis arrivé maintenant, je suis assis avec elle. Comme elle dit, elle vient à son grand frère, je suis venu à les livres, les hadiths là. Les 5 volumes d'hadiths de Saïd Boubari là, je suis parti à ça. Pour mieux lire ça, pour expliquer ça à son frère. Donc un homme, c'est la bonne intention pour toi. Tous les coups, tu vas voir là, c'est la malédiction que tu cherches comme ça. Donc, qu'elle est assise même, je lui parle, mais elle n'est même pas concentrée. Elle est distraite. Tout ce que je lui dis là même, elle est en train de crier ses mains seulement. Donc elle est en communication avec eux. Et quand je suis entré là, il y a des gens qui sont, ils étaient dans la voiture, ils ne sont pas descendus. Ils étaient dans la voiture. Derrière la route là, mais puis ils regardaient où on était. Donc dès qu'ils ont vu que je suis rentré, comme elle est là maintenant, elle ne peut plus appeler devant moi. Donc elle fait quoi? Elle écrit un SMS, et ceux qui sont dans la voiture maintenant, à eux, de dire vraiment, on l'a vu, là-bas, eux ils me connaissent, on l'a vu, il est rentré vraiment. Donc vous pouvez maintenant venir. Donc je suis maintenant avec elle. Il dit, mais ton frère, depuis là, moi je suis malade. Je vais te parler, puis je vais rentrer. Elle dit, non, il dit qu'il est à côté, mais il n'est pas seul, il est avec ses amis. Il dit, c'est pas grave, ils n'ont qu'à venir. Et je suis là. Vous allez voir tout à l'heure leur vidéo. La voici. Voici cette femme, cette femme méchante qui m'a fait tout ce coup-là. La voici, regardez comment elle est même. Et puis les gars sont en train de mentir sur internet qu'elle n'est pas musulmane. C'est elle n'est pas musulmane. Ce n'est pas elle qui est là. Quand vous l'avez, elle est quoi? C'est elle qui m'appelle. Frère, bon, mercredi, je vais faire écouter tout ça. Même les gens vous qu'elle m'a fait sur WhatsApp. Elle veut parler à Salam Alekoum d'abord. C'est ce qu'elle dit d'abord avant de m'adresser la parole. Elle n'est pas musulmane. Maintenant, pendant que j'étais assis avec elle, avec Bombardier, on était en train de lui donner des conseils, elle n'est pas concentrée. Or, eux, ils étaient là-bas, vous allez voir que ce n'est pas sérieux. Dans leur vidéo, frère, c'est leur vidéo, le début là, tu vas mettre, hein. Dans leur vidéo, eux-mêmes, ils ont dit quoi? Que ils viennent voir un inconnu. Dans la vidéo, c'est ce que Aka Ismaël est en train d'expliquer en direct. Pendant qu'ils sont déjà assis avec elle là, ils ont déjà connecté le direct là-bas, dans le souci que beaucoup de personnes se connaissent avant qu'ils n'arrivent à mon niveau. Et puis ils sont en train de dire, partager, que tout à l'heure, il y a une surprise, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, on s'en prend là-bas, tout à préparez-vous. Et dans le direct, il dit qu'il va voir un inconnu, c'est pas ce qui va se passer, mais il faut que les gens se connaissent vite. Donc les gens se connaissent seulement, ils se connaissent. On dit, on va voir tout, il y a une grande surprise. En même temps qu'il est en train de dire ça, qu'il ne sait pas c'est qui en réalité, mais c'est un inconnu, en même temps, le direct est déjà titré. Thierry le russophone pris en flagrant délit de mensonge. Ils ne sont pas sérieux. Et leur propre piège là, ils sont. Quand quelqu'un est bête, il n'est pas intelligent, il pense qu'il est en train de faire tout pour avoir quelqu'un, mais il y a les pistes, il y a les choses qui l'échappent. Bon, normalement, on va mettre Thierry le Rousson pris. Quand on dit pris là, on n'a pas dit sera pris. On n'a pas dit va être pris. On dit, ils ont dit pris, ça veut dire que c'est déjà au passé. Or, quand on dit Thierry le Rousson pris, en train de dire, quand tu viens tomber sur moi, et que tu as les preuves qui sont en train de mentir, c'est là maintenant que tu mets le titre là. Ou bien, si tu es prudent, tu mets Thierry le Rousson sera pris. Là au moins, c'est que tu es un peu prudent. Mais tu as déjà mis pris. Pendant que tu dis, tu vas voir un inconnu, tu ne sais pas c'est qui, mais tu as mis déjà mon nom. Et tu dis pris en flagrant délit de mensonge. Mais frère, regardez là. Il faut seulement les abrutis pour croire à leurs bêtises. C'est clair.
Vous voyez un peu. Il faut les abrutir de première génération. Tu vois. Donc, le titre même de l'ordre, déjà même, ça prouve qu'ils étaient depuis en communication avec la soeur, avec la fille là. Ils ont préparé le coup ensemble. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand tu es sincère dans ce que tu prêches et que tu veux aider des gens avec une bonne intention, tout ce qu'ils vont préparer contre toi là, ça va tomber sur leur propre famille et sur leur tête. C'est clair. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, frère, si tu es prêt, voilà ça. Voilà le titre de leur direct. Aka Ismaël officiel. Voilà ça. Pierre le recevoir une prix en flagrant délit de mensonge par la DDR. Pendant qu'il ne savait même pas il s'agit de qui. Ben, il a dit dans la vidéo qu'il va voir un inconnu. Bon, comment tu assures que c'est Thierry de Russophone qui a déjà pris? Comment? Voilà les choses que Dieu a permis que ça les échappe pour que les gens qui réfléchissent à voir qu'ils ne sont pas sérieux. Ce ne sont pas les gens qui sont responsables. Vous voyez? Frère, vas-y. Donc écoutez bien. Le frère a tellement bien fait que. Ça, c'est l'heure directe. En ce moment-là, moi, j'étais quand ils sont venus tomber sur moi, puisque je ne m'attendais pas à ça. Donc je ne pouvais pas aussi faire le direct. Je leur ai dit, moi je ne peux pas commencer le débat tant que nous on n'a pas collecté notre direct. Donc il faut que j'appelle aussi un de mes frères qui va aussi faire notre direct. Parce que eux là c'est des menteurs. Ils vont faire le direct, après ils enlèvent tout. Et puis maintenant ils coupent les parties, ils mettent des mensonges. Donc c'est quand mes frères sont venus qu'ils ont fait notre direct que j'ai commencé le débat avec eux. Oui, vas-y frère. Il y a un monsieur qui... appeler une dame. Désormais, quand. Parce que je ne vais même pas laisser une petite échappatoire à n'importe quel niveau. Hein. Voilà. Désormais, quand vous faisiez de faire vos tests, il faut d'abord me montrer ça avant de publier. Parce que confus, la plan S. Tu as mis confus U5. C'est une faute grammaticale. Voilà. Donc, désormais, quand vous faites groupe, désormais, quand vous titrez, avant que tu commences à lancer là, sur WhatsApp, m'envoie directement le test. Pour que je fasse la correction avant de les balancer. Parce que quand ils sont matés, ils vont vouloir s'attarder sur les petits détails là. Il y a un monsieur qui a appelé une dame. Non, plutôt une dame qui a appelé un monsieur, lorsqu'elle a vu une vidéo qui a circulé sur YouTube. Elle a appelé, voulant nous parler. Elle voulait parler ici, mais elle s'est trompée sur un monsieur qui s'est fait passer pour Ismaël Akar. Vous avez découvert le monsieur en question tout à l'heure. Qui s'est fait passer pour Ismaël Akar. Il n'est pas Ismaël Akar, c'est un chrétien. Donc la dame lui dit que voilà, elle a un problème de famille, de foyer qu'elle veut essayer de me rencontrer pour essayer d'en parler. Donc le monsieur s'est fait passer pour moi, sous toute façon, jusqu'à ce qu'il rencontre la femme. Ils ont besoin de donner rendez-vous, ils se sont rencontrés. La dame dit, mais c'est pas toi, je ne comptais pas, moi c'est Ismaël Akar, je voulais rencontrer, mais c'est pas toi. Alors, c'est en ce moment-là que le gars lui a fait comprendre que lui, vous pouvez les frères vite parce que comme c'est le début, il faut que les gens comprennent tous les détails pour ne pas que quand on va continuer, ça les échappe. Déjà, dans ce qu'il a dit, vous avez vu qu'il y a plusieurs confusions, même dans cette vie. D'abord, il dit, il y a un monsieur d'abord qui a appelé une dame. Or, tout à l'heure, si le frère permet ça, bon, comme à cause du temps, on va faire ça le mercredi. J'ai tout ici, elle m'a appelé tous les appels. Vous voyez que le téléphone, c'est comme ordinateur. Tous ces appels, si moi je l'ai une seule fois appelé, c'est que je suis un maudit. C'est elle qui a fait tous les appels, elle a fait les captures pour garder. Tous ces appels. Quand quelqu'un t'appelle, vous voyez que la flèche est posée comme ça. Elle appelle entrant. Tout ça, j'ai fait capture, depuis que j'ai gardé. Je suis très prudent. Maintenant, les notes vocales aussi, j'ai gardé. Et les rencontres aussi, j'ai enregistré tout, tant que eux-mêmes sont au courant. Vous voyez, c'est que ce n'est pas digne de confiance. Et vous avez vu vraiment, s'il n'était pas prudent comme ça, il pourrait mentir sur moi. Maintenant, dans ce qu'il dit, non, une dame qui a appelé un monsieur qui a appelé une dame, non, c'est pas ça, c'est une dame qui a appelé un monsieur. Or, en réalité, la dame, il ne la connaît pas. Mais à la fin, il m'a dit, quoi que c'est ça, lui, c'est sa soeur, que son frère doit te parler là, c'est moi, c'est mensonge. Maintenant, il dit donc qu'il va voir que le monsieur n'est pas musulman, mais il est chrétien. Tu dis, c'est un inconnu. Comment tu as su que le monsieur est chrétien? Comment tu as su qu'il n'est pas chrétien? Tout ça qui t'a informé, pendant que tu dis que c'est pas ce qui se passe. Comment dans une seule bouche, il peut y avoir plusieurs contradictions en une minute.
Frère Bafou. C'est en ce moment que le gars lui a fait comprendre que lui. Que le gars lui a fait comprendre que lui n'est pas musulman, mais il est chrétien. Mais qu'il n'y a rien dans l'islam, que voilà, la dame n'a pas de vraiment chrétienne, tout ça. La dame m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Il a venu avec son frère. Si je réussis à montrer à son frère qu'il n'y a pas de salut en islam, il n'y a pas de vraiment chrétienne, que son frère aussi n'a pas de vraiment chrétienne. Son frère en question, c'est la personne en question, il va le connaître tout à l'heure. Quelqu'un dit, il ne sait pas. Maintenant, je lui ai dit, c'est la dame et moi qui allons parler parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. À notre première rencontre même, il dit quoi? On est au courant de tout. Voilà le guet d'appel qui a été préparé par eux et la dame. De leur propre bouche. Tu es au courant, toi tu n'es pas Dieu. Tu es au courant de tout comment? Qui t'a dit? Puisque ce n'est pas moi, qui t'a dit? Depuis lors, même la première rencontre, c'est eux qui l'ont envoyé. Frère Bazou. Maintenant aussi, elle aussi dit quelque chose qui ne va pas. Mais comme Compte tenu du temps lui, qui nous a fait vraiment voilà, un faux coup, mais tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, vous voyez bien que. Il a fait dans baf. Allez, attendez, ne soyez pas et truc. Ok, donc les frères, je pense qu'en fait en 23h, les 22h30, voilà, c'est pas trop prudent de continuer jusqu'à 23h, c'est pas bon. C'est juste pour vous donner un avant-goût de ce qui va se passer le mercredi après-demain. Toutes les vidéos, on va vous projeter ça, on va vous donner tous les détails. Le temps est déjà parti, aujourd'hui il a plu jusqu'à... Voilà, donc la pluie a fait que on ne pouvait pas faire aujourd'hui. Un avant-goût on a donné de ce qui va se passer le mercredi. Que tout le monde soit informé et tout le monde sache de quoi voilà, vraiment il était question. Voilà, donc actuellement, comme vous voyez déjà, on doit être prudent, on doit même être là jusqu'à cette heure-là. Voilà, il est 22h34. Voilà, le temps est bon, pas pendant 23h. On va arrêter. Le mercredi ici à 15h, on va déballer tout. Et tout ce que la femme elle a dit de l'islam,
elle a dit des musulmans, et elle a dit d'Allah, et elle a dit même de sa famille, de sa belle famille là, on va tout exposer, il n'y a rien à cacher. On ne doit pas la couvrir. Jamais. De telles femmes doivent être exposées pour que d'autres femmes prennent conscience. Quelqu'un qui est un bienfaiteur, il ne faut pas lui faire coup bas. Ça, c'est être maudit et maudite. Donc, shalom que le Seigneur vous bénisse. On a mercredi pour la suite. Donc, ce qui nous s'est passé, au cours du débat, où il a dit que Jésus est menteur, où il m'a dit si je lui montre dans la Bible le mot chrétien avant acte des apôtres, il va prendre son baptême. Je lui ai fait un coup gratuit, il a refusé de prendre son baptême. Tout ça va voir. Il dit pour eux, les musulmans, ils ne passent pas à l'enfer. En même temps que prend Luc 16, il dit que Lazare est passé à l'enfer avant d'aller chez Abraham. C'est écrit où? Il dit non, il est passé à l'enfer. Les deux brigands sont allés à l'enfer. Donc tous ces menteurs, et il a été confus, n'a rien fait. Le verset fameux qu'ils prennent dans le Coran pour dire les musulmans vont au ciel là, il ne va plus jamais utiliser ça encore. Mais j'ai corrigé ça. Voilà, donc que le Seigneur bénisse. On donne les critères, on dit pour être candidat à la présidentielle ivoirienne. Il faut avoir papa, maman ivoirien. Si on le dit, si l'un des parents est ivoirien, tu ne peux pas être candidat. Jamais. On dit papa, papa et maman ivoirien. Il faut avoir au moins 40 ans. Non, on dit papa, maman ivoirien d'abord. Je parle de la conjonction de coordination. Papa et maman ivoirien, avant que tu prennes ta candidature. Si l'un des deux est ivoirien, tu es éliminé. On dit, oh mes serviteurs, ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, tout ça doit rentrer ensemble. S'il y a un qui fait des fois, tu ne peux pas aller au ciel. Comme je pense aller à l'école, bon, c'est à cause de ça. Donc on a maintenu les frères. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui pirate nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.